Bonjour et bienvenue à une autre émission, Marie-Christine Soi-même, une émission pour vous inspirer à trouver l'équilibre sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je reçois Jean-Jacques Lapierre, ex-conseiller municipal de la ville de Laval, qui raconte comment un voyage a touché sa vie et comment il s'est donné comme mission de transformer et donner l'espoir à une des communautés au Cameroun. Je reçois aussi un autre invité inspirant, Steve Razier, le gérant d'artistes de Rachid Badouri. Pour le moment, on rejoint Mélanie Ménard de la station Organique qui nous parle de c'est quoi avoir un bon pH neutre dans son corps. Allô Mélanie. Salut, ça va bien. Ça va bien. Oui. Alors, quand on parle de détox, on parle souvent d'avoir un pH neutre, c'est quoi équilibré, exactement ouais. euh, En fait, le corps humain, c'est un écosystème et puis euh, tu peux soit être très acide ou très alcalin. L'idée c'est de te tenir au centre, euh, entre 6.2 et 7, un pH. Puis on peut le tester. J'ai vu qu'on avait oui. les papiers pour le faire. Oui. Euh, pourquoi on veut être dans un pH qui est neutre? C'est parce que euh, toutes les maladies, les inconforts se développent dans un pH qui est acide, dans un terrain qui est acide. Alors c'est pour ça qu'on veut toujours rebalancer, recalibrer son pH. Qu'est-ce qui va nous aider à... Devenir plus alcalin, si on veut, euh, c'est le verre, la verdure, la chlorophylle. C'est pour ça qu'on privilégie les jus verts, les smoothies verts, euh, les salades comme ça, mais vraiment pouvoir manger beaucoup. Les micro-pousses, c'est rempli de chlorophylle. Et puis aussi, tu peux le, te le procurer comme ça en gouttes euh, qu'on ajoute à de l'eau mm -hmm. Donc, cuillère on est thé par 500 millilitres environ, là, puis tu ne ça ça presque un pas. Ex un exemple? Oui, c'est ça. Ça ne goûte pas grand-chose. Non, hein? il y en a qui sont à la saveur de menthe, mais sinon, on peut l'avoir très neutre. Mais c'est toutes des petites actions comme ça au cours de ta journée qui vont faire que tu vas euh, alcaliniser ton pH. OK. Puis, euh, est-ce qu'on fait le test oui. pour voir euh, comment. Euh... On peut faire le test, puis on a oui. le, le barème ensuite pour euh, comparer où on se situe. Puis, dépendamment de. Si on est un peu ici, bien là, on va ajuster l'alimentation. La, c'est évident parce que des fois, après euh, une soirée où tu as fait un peu d'excès, tu vas tester ton pH puis tu vas le voir tout de suite, là, ton corps. Que c'est euh, plus acidique. Euh, oui. hein, puis il y a certains, euh, certains aliments aussi qui, qui sont plus acidifiants pour le corps. Contrairement à, aux verdures qui sont très alcalinisantes, bien, si on va mettre dans les, euh, les produits laitiers, exemple, bien, ça, c'est très acidifiant. OK. Alors, a, on peut trouver l'échelle sur, euh, sur Internet. Ou, ou... Mm -hmm. ou même ici, avec le petit. Euh, ouais. les papiers pour tester, c'est mm -hmm. ça? Les papiers pour tester, on peut y aller avec l'urine, hein, je pense, et aussi ouais, la salive. Plus précis, mais avec la salive aussi, ça fait, ça okay. fait le travail. On va, on va faire ça euh, de façon élégante. On oui. va se tourner des <laughs> caméras, on va cracher dans notre bol puis on va tester notre papier. Parfait. De toute beauté. Mm -hmm. Bon, on fait ça. Voilà. faut pas avoir peur du ridicule. Mm -hmm. hein? OK. Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne? Un petit. Là, tu peux comparer, tu vois. OK. Oui. Fait qu'on est assez acide, les deux. hein? Bien, là, moi, je suis 6,6. C'est quand même. Ouais. Toi, es, tu Moi, pourrais... je suis un peu plus basse. Hein? Bon, moi, je pense que je vais boire un ça. peu de, de chlorophylle. <laughs> Puis, euh, donc, les, les super aliments ou les aliments privilégiés, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Euh, les verdures, le kale, le, 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 le pissenlit, les épinards. Euh, et éviter, je ne dis pas de ne pas en manger du tout, mais éviter les produits laitiers, euh, la viande rouge, c'est très acidifiant, l'alcool, le café, privilégier okay. euh, le, les grains entiers, les légumes, beaucoup, beaucoup de, de fruits et légumes. Merci beaucoup, Mélanie. Moi, je te dis santé. Santé. Je suis présentement avec M. Jean-Jacques Lapierre, ex-conseiller municipal de la Ville de Laval. Monsieur Lapierre, vous avez voyagé dans plus de 55 pays. Oui. Oui, juste plaisir. Vous savez que la, la, les voyages forment la jeunesse, alors euh, <laughs> j'ai voulu m'inscrire. Euh, alors, j'ai voyagé oui, beaucoup, oui, oui, oui. Et je crois que c'est toujours. Euh, on apprend beaucoup dans chacun des pays. On est toujours émerveillé de ce qui se passe dans chacun des pays. Oui, puis. Par exemple, vous avez vu plusieurs injustices en hein, bon. vos voyages. Écoutez, il y, a, il y a toujours quelque chose qui nous impressionne dans chacun des voyages, mm -hmm. parce que dans chacun des voyages, on peut faire le voyage tourisme, euh, ok, mais on peut aller davantage euh, voir le peuple, voir comment se conduit le peuple, voir ce qui se passe. Pas seulement que les hôtels, les hôtels c'est bien, mais le vrai peuple. Comment le vrai peuple vit Qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui se passe Les injustices, mais les vraies choses, les mm -hmm. besoins également. Alors il y a, il y a tellement à voir. C'est toujours. C'est toujours le merveillement dans chacun des pays de voir ça, de voir ce qui se passe. Puis pour vous, vous me parliez ce qui est le plus important. C'est la liberté. Pour ah, les... La liberté. Écoutez, le besoin, même chacun de nous autres actuellement, le besoin de liberté. Et dans les pays aussi, le besoin de liberté. Et on se bat la liberté. La guerre, si on prend en Afrique un petit peu tout ce qui se passe, les gens se battent pour la liberté. C'est mm -hmm. incroyable de voir ça. Même euh, si on prend... Euh, je je m'en vais en Tunisie bientôt, là, quand même. Bien, ce qui se passe en Tunisie, ils se sont battus pour la liberté. Ils mm -hmm. se battent encore. C'est important de la liberté. Puis un des voyages qui vous a le plus marqué, que vous avez vu des choses touchantes, racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun. Oui. Un des voyages qui m'a le plus marqué, c'est probablement le Cameroun. J'ai eu la chance de faire quatre voyages d'un mois chacun au Cameroun. Et puis euh, d'abord, ce sont des gens excessivement accueillants. Ils sont accueillants et travaillants. Surtout les femmes. Les femmes sont, 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 tra travaillent très fort. Les femmes vont élever les enfants, vont faire la cuisine, vont faire le ménage, vont faire du commerce, vont aller chercher l'eau. Euh, ils vont faire toutes ces, ces, ces choses-là. C'est incroyable tu sais, que, comment ils peuvent travailler toutes les tâches qu'ils ont plus que les hommes. Ça, alors, je pense même que l'Afrique va se réveiller grâce aux femmes éventuellement. Alors, euh, au Cameroun, il y a des aspects quand même importants. Ce n'est pas un grand pays. C'est un pays peut-être qui, qui est 100 fois plus petit que le Québec, okay? mais qui, qui a, qui a 300, un peu plus de 350 tribus. Ah, OK, des tribus. Alors, chaque, chaque tribu a ses particularités. tout ça. Mais il y a, un, il y a des secteurs qui sont, qui sont très mal organisés, qui ont des, des problèmes. Si on prend le nord de, de, du Cameroun, par mmh. exemple, alors souvent les, les rivières sont asséchées, tout ça. Alors, ils doivent aller chercher l'eau. Imaginez-vous, la, la dame doit partir, faire une heure et demie le matin, une heure et demie le soir pour aller chercher de l'eau. Puis souvent, la, la rivière est asséchée. Alors, on est obligé de creuser dans la rivière, peut-être l'équivalent de, de 3 mètres, 2-3 mètres, quand même, euh, ben, peut-être 3 mètres, c'est beaucoup, là. Mm -hmm. mais un mètre ou deux, pour aller chercher l'eau dans le fond, à la, petite, à la petite casserole, puis remplir son. pour à, apporter l'eau. Ah, puis souvent, l'eau, pas n'est pas de, de, de bonne qualité. Alors, écoutez, le mérite qu'ils peuvent avoir, ces gens-là, pour euh, s'en sortir, pour nourrir leurs enfants. Écoutez, souvent, le manger, ils n'ont pas toujours du manger euh, euh, avec la profusion. Alors ils réussissent à s'organiser et malgré tout, ils ont le sourire. Ils ont le sourire et puis ils ont. Ben, on se demande pourquoi, mais ben, souvent c'est parce qu'ils connaissent pas d'autres choses. Hein. Ils mm -hmm. Connaissent pas d'autres choses. Alors les besoins, les besoins sont immenses. Il n'y a pas seulement qu'au Cameroun. Quand même, si on prend le Togo, si on prend le Sénégal, dans les campagnes, dans les grandes villes, ils sont pas si mal organisées Les, les grandes villes, ils réussissent à s'organiser. Mais dans les campagnes, dans la brousse, euh, il faut, faut, faut voir. Lorsque vous arrivez, la maison dans, dans la brousse, c'est une petite tente où il y a peut-être euh, trois éléments, un petit lit pour le maître, le, 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 le chef de la maison, parce que lui, il couche un petit lit euh, de, de bois, sa vie est euh, artisanale, et la, la femme, puis les enfants couchent à terre. Là, il y a deux, trois bols, quand même, pour faire à manger. Euh, un petit peu de linge, chacun, peut-être une petite robe, quelque chose euh, semblable, mais c'est tout. Alors, il n'y a pas de. Il y a pas de... D'ustensiles, pas de cuisine, il n'y a pas de. Euh, absolument rien, il n'y a pas de livre. Écoutez, pour, pour s'instruire, pour ils n'ont même pas de lumière. Ils n'ont même pas de lumière. Alors, voyez-vous que tu les besoins, si on pouvait leur apporter des panneaux solaires, tout ce que ça, ça pourrait leur apporter d'abord. mais si ça, ça va comporter un danger, si on apporte les panneaux solaires, ils vont avoir la télévision. S'ils si ont la télévision, ils vont voir ce qui se passe ailleurs. Ah, ils vont dire écoute, il se passe des, des belles choses ailleurs. Puis nous autres, on n'a rien, on vit dans la pauvreté. Alors, ils vont avoir des besoins. Alors, c'est pour ça que ces pays-là, euh, on, on a beaucoup à faire, on a beaucoup à leur donner, euh, à leur donner, mais ils vont s'en sortir eux-mêmes. Vous qui s'en sortez eux-mêmes. Il faut qu'ils qu prennent conscience de leurs besoins pour s'en sortir, mais c'est sûr qu'on peut leur aider, nous autres, euh, par des besoins essentiels pour les besoins primaires, surtout se nourrir, se loger, se vêtir. Mm -hmm. Mais surtout, euh, il y a des éléments qu'on qu peut faire quand même. Euh, les panneaux solaires, si on peut arriver à leur donner des panneaux solaires. Si on peut leur aider à creuser des puits, l'eau, 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 c'est de l'or l'eau. Quand même, le besoin d'eau, c'est. Mais il va, il va falloir le faire. Et comment, comment ils vont s'organiser? Et puis, les pays, ils savent on, on leur vient en aide, le Canada, tout ça, mais souvent de la mauvaise façon. On, on leur vient en aide, on fait un beau musée. Oh, c'est beau un musée! Un beau musée, quand même, africain. Mais par contre, ils n'ont pas d'eau. Hein? Euh, la, la Chine vient de, de faire un, 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 gros, un gros stade de, de soccer. Oh, immense, 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 immense. Ils sont même pas capables de trouver des bancs, d'avoir de, les, 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 les lumières pour, pour, pour mm -hmm. faire puis, fonctionner. Puis à votre avis, euh, par où que les gens peuvent commencer pour pouvoir donner un coup de main? Ça, ça, écoutez, il y a des initiatives personnelles qui sont faites. Moi, je, je sais que par euh, ce que je fais là-bas, lorsque je vais, j'essaie de former des coopératives. Alors, si les gens peuvent se, se réunir ensemble, se regrouper, euh, ça va aider. Il y a l'instruction quand même. Il y a une, il y a, dans les milieux, dans les municipalités, euh, on peut dire que les gens sont, peuvent s'instruire quand même euh, d'une façon convenable. Euh, c'est assez surprenant. C'est dans les, les, les centres éloignés qu'au moins c'est plus difficile, dans la brousse ou bien dans les campagnes, c'est plus difficile. Alors, c'est certain que... Et ils vont devoir se regrouper. Se regrouper et puis euh, utiliser les moyens qu'ils ont. Pas attendre à, on, on attend souvent l'aide de l'étranger. Il va falloir mm -hmm. qu'ils qu commencent à s'organiser par eux-mêmes. Vraiment, il y a des possibilités. Et puis, euh, vous parliez là, que pour aider, c'est ça, ça serait peut-être de mobiliser certaines personnes ici aussi, mais d'avoir des containers oui. pour. Euh... Oui, par exemple, ils ont des besoins. Bon, à un moment donné, on peut ramasser des livres. Bon. Des livres, ils ont besoin. Alors, avoir un endroit pour entreposer les livres, pour pouvoir les envoyer par après, ça pourrait se faire. Là, actuellement, j'avais commencé le, le processus de ramasser des livres. Je n'avais euh, ramassé beaucoup, mais je n'ai vraiment pas eu vraiment d'aide des autorités, puis de personnes actuellement pour m'aider, parce que je pourrais ramasser facilement. Les, les, les citoyens ont des livres, puis ils les jettent les livres. Alors, on pourrait ramasser des livres, par exemple, si je pouvais avoir un endroit pour les entreposer quand même. puis euh, elle coûte bien des bicyclettes. Non? Puis des panneaux solaires, si on pouvait entreposer ça quand même, puis pouvoir leur envoyer. Il y a moyen ensuite d'envoyer des conteneurs. Euh, vous savez, on a des gens qui envoient des conteneurs là-bas, et puis souvent, ils sont à moitié vide, à moitié vide ou à moitié plein. Mm -hmm. okay? On pourrait compléter mm -hmm. par, par des accessoires comme ça, par des... des, Avec des, des de lits. Par ben exemple? Oui, c'est ça. Avec euh, de, Oui, et puis toutes sortes de moyens. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Le besoin est très simple, par exemple, euh, tous les accessoires qui fonctionnent au, euh, à l'essence. Alors ça, ça, ça peut fonctionner. Ils ont bien. Vous savez, ils vont construire des maisons avec encore les scies à la main. Alors, mmh. s'il peut avoir des accessoires qui fonctionnent à l'essence pour couper le bois, pour s'organiser tranquillement. Puis avec la corruption, comment est-ce que ah. c'est possible de c'est un problème. Vous savez qu'on envoie, je me rappelle à Bidjoum par exemple, je m'en vais voir une, une, le, le chef d'une tribu quand même. Et puis, c'est pauvre dans ce coin-là. Et puis, ils n'ont pas beaucoup d'eau. Mais le chef, il y avait dans sa cour, il y avait quatre belles voitures. Des voitures à peu près de 60-65 000 ici, qu'il y avait dans mmh. sa cour pour lui. Et la, la, la corruption. Monsieur Lapierre, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup pour votre temps et d'avoir sensibilisé les gens à la maison. Merci. C'était un plaisir. <laughs> Merci. Je suis présentement avec Steve Razier, le gérant d'artiste de Rachid Badouri ainsi que directeur de l'Institut Vision. Bonjour. Bonjour. Euh, Qu'est-ce qu que ça prend comme don et talent pour être gérant d'artiste? Euh, déjà d'aimer de, l'industrie des arts et divertissements euh, ou le sport ou peu importe le domaine que tu pratiques, il faut que tu sois passionné. Euh, une autre vertu, je crois que c'est d'aimer les gens. Veux, mm -hmm. pas, on n'a pas affaire à des machines, mais on a affaire à des êtres humains. Euh, donc, il faut que tu aies euh, un souci, un respect, une écoute pour l'être humain, pour s'assurer que tu puisses être en mesure de gérer sa vision. Mm -hmm. Puis, est-ce que c'est un métier qui s'enseigne? Certainement, certainement. Et c'est une des raisons pourquoi que j'ai euh, fondé l'institut Fusion, c'est parce que. Euh, je trouvais ça étrange lorsque j'ai débuté qu'il n'y avait aucune école qui se spécialise dans la gestion et développement artistique. Et pourtant, les besoins sont, sont nombreux. Donc, tout le monde un peu s'improvisait gérant, il faisait à leur manière. Euh, moi, le, le premier, j'ai appris par... Euh, les pères dans, dans, dans le milieu, euh, mais je trouvais qu'on perdait parfois l'essentiel d'un gérant d'artiste. Et pour moi, c'est l'être humain. Et donc, j'ai voulu fonder l'Institut Vision justement pour enseigner les futurs gérants à comment... Euh, travailler dans cette profession de la bonne manière. C'est comme demander à, à un chirurgien de, de faire une opération à cœur ouvert, mais sans aller aux études, juste parce qu'il l'a déjà fait sur son chien, de prendre une chance sur... Je mm -hmm. disais, il faut plus que de la pratique. Je crois qu'il y a des, des, des fondements de base qui sont importants. Et euh, une des choses qu'on apprend justement, c'est à quel point... Que souvent on a l'image du gérant du gros bedonnant, la petite chaîne en or, le gros cigare et puis euh, on contrôle euh, et souvent on peut penser qu'un gérant c'est quelqu'un qui négocie mm -hmm. ou quelqu'un qui euh, a des grandes visions, ou fait des gros euh, signe des gros contrats mais je crois que si on a cette pensée là du gérant, on peut parfois faire l'erreur de croire qu'on n'est pas appelé à être un gérant lorsque on a les aptitudes pour le faire, c'est juste qu'on n'est pas au courant de qu'est-ce qu'il faut pour être un gérant. Donc, j'aime dire qu'il y a cinq profils de gérants. Il y a le défricheur, il y a l'administrateur, il y a le, 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 le coach, il y a l'homme d'affaires et le réseautage. Donc, c'est certains profils qui définissent un type de gérant. Donc, je connais plusieurs gérants dans l'industrie euh, qui ont leur, leur force, et c'est rare que j'en ai rencontré un qui a les cinq. Donc, c'est juste d'identifier ses forces et de, de compenser avec une belle équipe pour les, les faiblesses. Toi, tu serais lequel? Euh, moi, je suis euh, très coach, je suis très proche de mes clients. Donc, il y a un aspect très, euh, très personnel... Euh, et euh, confident que j'ai avec mes artistes. Et j'aurais peut-être le stratège. J'ai quelqu'un qui, qui est très fort à, à placer les pions pour arriver au succès de la vision de, du client. Donc, ce seraient les deux forces que j'ai euh, vraiment. Aussi, euh, tu es pasteur. Oui. Comment est-ce qu'on peut concilier un, un domaine, un, un secteur aussi euh, superficiel avec justement oui. un secteur autant de cœur? C'est euh, pas la première fois qu'on me pose la question. Les gens sont toujours stupéfaits de voir que je, je suis pasteur, mais je suis aussi gérant. Et pourtant, pour moi, c'est la même chose dans, le, dans la définition. ce que le pasteur, c'est quelqu'un qui prend soin des gens. Mm -hmm. Et en tant que gérant, c'est un peu ce qu'on fait avec nos clients. On en prend soin, donc l'écoute, les conseils. Euh, et j'aime beaucoup l'approche où ce que un artiste ne peut pas être au sommet de son succès euh, s'il est malheureux. Donc des fois il peut être très talentueux, mais si dans sa tête ou dans son environnement ça va pas bien, ça va déteindre dans son environnement de travail. Et donc il y a un, un cheminement très personnel euh, au développement du client qui est important. Et je crois que les vertus, mes convictions chrétiennes me permettent justement de, de bien les entourer, de les conseiller, sans leur imposer ma foi, sans les amener nécessairement à mes convictions religieuses, mais plutôt de les faire sentir bien et surtout être en pleine possession de leurs moyens pour avoir un succès dans leur vision. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter par rapport à ça, une situation qui est arrivée Il y en a plusieurs. Mm -hmm. euh, plusieurs des, des artistes qu'on voit à la télé, euh, Jules... Euh, l'opportunité d'avoir des, des belles rencontres avec eux et, et parfois prier ou les conseiller. Vous savez, c'est une industrie qui est tellement axée sur le moi ou ce qu'on crée, des, des idoles, euh, et parfois les gens se perdent là-dedans. Donc quand ils rencontrent quelqu'un qui a une sagesse ou une foi, euh, ils vont s'ouvrir, ils vont parler de leurs problèmes et souvent ils vont même demander de la prière. Donc euh, je n'ai pas nommé de nom parce que ça, ça reste dans la confidentialité, mais il y a même un, un artiste qui malheureusement a, eu, a été jusqu'à vouloir se suicider et ayant euh, et, et, et mis la corde à son cou. Euh, Lorsqu'il était prêt à faire l'acte, l'image qu'il a vue, c'était mon visage, qui lui oh, disait wow. ne fais pas ça. Et euh, il, bien entendu, il n'est pas passé à l'acte. Il m'a appelé en pleurant. Il m'a dit, Pasteur, pasteur. Euh, et là, il m'a avoué sa, sa, sa détresse. Mais ce que j'en je, ressors de tout ça, c'est que si j'aurais resté seulement dans la relation professionnelle, euh, pas sûr qu'il aurait peut-être eu le réflexe de m'avoir comme référence et, et que Dieu aurait intervenu dans, dans sa vie de la manière qu'il l'a fait. Mm -hmm. C'est certain que c'est une grande responsabilité aussi. Oui. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça est... oui Comment est-ce que tu te sens par rapport à cette responsabilité-là de d'avoir de... à supporter les gens comme ça oui. dans leur quotidien euh, Et le mot est juste. Je pense que la différence. Euh, entre le chapeau de gérant et le chapeau de pasteur et, et dans la responsabilité. Mm -hmm. Je crois que le gérant a une responsabilité professionnelle, mais mm -hmm. le pasteur en a une beaucoup plus humaine. Mm -hmm. euh, et j'enlève rien aux autres gérants. Je veux dire, tout mm -hmm. le monde fait son travail le mieux qu'il peut, mais il y a quand même une, une vocation en moi qui souhaite toujours voir le bien-être de l'être humain. Et donc, c'est sûr que qu'il y a des problèmes à minuit, trois heures du matin, ou quand la personne se sent pas bien ou vit des difficultés, euh, on les vit avec lui. Et donc, c'est une responsabilité qui est, qui est lourde à porter, parce que chaque mot a sa portée, chaque conseil a ses conséquences. Euh, donc, je suis très soucieux et, euh, et je le prends avec beaucoup de sérieux lorsque je dois... Euh, euh, conseiller quelqu'un dans un trait personnel de sa vie. Euh, mais je crois aussi que c'est ce qui fait ma force dans le champ d'activité que je fais, c'est que je suis passionné et je mets beaucoup d'attention sur le client que je représente. Et euh, ça lui permet d'avoir du succès dans, son, dans sa carrière. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir à l'émission. Puis c'est toute une chance pour eux de, de t'avoir comme pasteur gentil. et gérant. C'est <laughs> très gentil. Merci. Félicitations pour votre émission. Merci. Merci. Je Présentement avec Vanessa Boivin de V Pilates et on fait du Booty Burn. C'est quoi ça ce Vanessa, le Booty Burn? Alors le Booty Burn, c'est un cours sur musique qui combine le Pilates, la danse et le yoga. C'est un cours très en endurance qui travaille le corps au complet à chaque séance. Ok, mm -hmm. puis c'est qui qui peut faire ça? Ce cours s'adresse à tout le monde. On peut facilement augmenter l'intensité selon les participants ou diminuer l'intensité pour les gens qui débutent. Oh, oh j'ai peur. Tu vas... <laughs> tu vas me faire travailler fort. Parfait. Oui. Puis à quel endroit on peut faire ça? Donc, on peut me retrouver au studio En Cadence à Laval ou au Carrefour Multisport à Laval également. OK. Génial. Moi, j'ai hâte d'essayer ça, Vanessa. Je suis prête. Je suis toute à toi. Donc, le premier exercice qu'on va faire, ça, ça sera des pliés. Okay. On va se placer en première position, en rotation externe. Mm -hmm. On va soulever les talons en relevé et squeezer les talons ensemble. Donc, on presse les talons, mm -hmm. ramener le bras vers le plafond. Et à l'expire, on va descendre, plier et squeeze les talons ensemble, on remonte. Donc ici, on travaille le bas du corps et lift. est que Donc je suis aussi pique. élégante qu'elle? <laughs> <laughs> oui, tu fais ça super bien, ma chère. Donc plus on squeeze les talons ensemble, on va travailler l'intérieur des cuisses, on travaille les fessiers en remontant aussi, puis on a toujours un focus sur nos abdominaux. On va y aller mm -hmm. pour deux derniers, deux, une dernière fois, puis on va ajouter des petites pulsations ici. Donc pulsations. Mm -hmm. Les abdos toujours engagés, les talons qui squeezent ensemble pour garder les fessiers actifs, les quadriceps travaillent fort, le nombril à la colonne. Ça, on peut Et on faire ça à la maison sans barre, on peut le faire oui, avec une chaise. Oui, hein? facilement. Oups, on est la deuxième chose qu'on va faire, on va ouvrir un petit peu plus grand, à peu près un bras de distance de la barre, okay. pour aller faire les sidelines. Donc, on va placer l'avant-bras au complet sur la barre, le coude en ligne avec l'épaule, okay. un peu comme dans les sidelines de Pilates aussi. Pressez vers le bas. Ramenez lentement à la taille pour garder les hanches et les épaules devant. Puis on va travailler le côté de la cuisse et fessier. Petite pulsation vers le haut. Ici pour vraiment sentir le travail. Donc à la maison, si jamais vous avez une chaise ou un comptoir de cuisine, ça se fait super bien. Donc, comme le nom le dit, c'est surtout pour travailler les fessiers, hein Oui, vraiment. Pas avoir les fesses qui tombent vers le bas avant l'été les... en maillot de bain Non, c'est super bon pour la saison des bikinis. Allons-y encore pour quatre, puis on va ramener le genou devant. Donc, ramener le genou devant et on repousse, expire, on allonge. Allons-y à nouveau pour inspire, reviens, expire, deux derniers, puis on va garder le genou fléchi sur le dernier, gardons-le et on développe devant. Donc, kick devant et. Allons-y avec un petit peu plus d'énergie. On va kicker, kick un petit peu plus rapidement. Puis on sent le travail derrière la fesse. Allons-y pour 4, 3, 2 et 1. Ramène la jambe sur le côté et remonte. Cool. Super. Je t'invite maintenant à te tourner, Marie-Christine, mm -hmm. vers la bas Reprends une première position. Les abdominaux engagés, on va aller mettre les avant-bras sur la barre, presse vers le bas, glisse les omoplates vers le bassin. Donc on travaille toujours la posture, talon sous le bassin, dégager la jambe droite derrière. On va monter arabesque et touche le, le gros orteil au sol et on remonte. Puis ça travaille vraiment fessier à nouveau. Dans un cours complet de booty bar, on travaille aussi les bras avec des poids légers, une section okay. abdominaux puis on fait aussi un peu de cardio. Puis combien de répétitions les gens doivent faire à la maison? Ah, on peut y aller facilement pour 8 à 16 répétitions. Mm -hmm. Et allons-y pour des pulsations. Mais ça travaille bien le, les abdominaux, je trouve quand même aussi. Oui, mm -hmm. parce qu'on a besoin de se tenir. Et la jambe de support. On travaille beaucoup la stabilité de la jambe de support. Allons-y pour quatre dernières pulsations. C'est confortable. <laughs> Et là, on va aller croiser. Croise au travers et remonte directement en arrière. Donc, on aimerait garder vraiment la jambe derrière soi. Fait qu'on croise, puis ensuite directement derrière en arabesque. Toujours penser aux abdominaux, pousser vers le bas. Également sur la barre, fait qu'on travaille la stabilité des épaules aussi. Là, il ne faut pas oublier, il y a une petite déformation professionnelle ici. Hein? On est deux corps <laughs> de pilates. Hein? Hein? Donc, il faut avoir l'air que c'est toujours facile, hein, faire des euh, exercices. Toujours, toujours. Mais j'ai vraiment le fessier euh, qui est en feu, en fait. <laughs> Et là, on va le garder. Puis, est-ce qu'on peut faire des petites pulsations vers la droite, vers l'extérieur? Oui. Puis, on va avoir un travail supplémentaire au niveau des C'est la jambe d'appui, je trouve, oui, oui, de ces fessier fessier moyens. Là, de la jambe de support travaille très fort. Allons-y encore pour quelques répétitions. Ça a l'air facile. <rire> <rire> Et tranquillement, on va pouvoir replier la jambe de support faire un diamant avec nos jambes, on est en rotation externe, mm -hmm. et shoot la jambe derrière. Et inspire, et expire, hop. Fait qu'on travaille encore plus la jambe d'appui. Donc ça, à la maison, les gens peuvent, euh, peuvent faire trois fois chaque série. Oh oui, facilement. Mm -hmm. Ils peuvent prendre une petite pause entre chaque aussi. Puis on peut toujours ajouter des pulsations à la fin, donc si on veut Mais reprendre l'arabesque. Tu fais ça pendant une heure de temps? Oui, mais les exercices, on a un réchauffement au début. Okay. Ensuite, on fait les bras. Ensuite, on part, on a une section isométrique à la barre. Puis la flexibilité, le cardio, ensuite, fessier s euh, comme on est en train de faire. Ah, je mmh. Et les abdominaux mmh. à la fin. <laughs> Et tranquillement, on va remonter. Ça va, Marie-Christine, je t'invite à croiser ta jambe d'appui. <laughs> Donc. Oui. Comme un 4. Et on va aller ah. faire un petit étirement fessier ici. Ah, oui. Sternum devant. Mmh. Il est vraiment euh, agréable celui-là. <laughs> oui, ça fait du bien. Et on remonte. Et on peut peut-être aller faire dégager, aller chercher l'énergie loin, croiser la jambe et s'irène vers le centre. On étire en flexion latérale. Merci beaucoup Vanessa, Merci. on va être en forme, c'est certain pour l'été euh, avoir une belle silhouette euh, maillot de bain. Si on veut plus d'informations, on peut visiter quel site internet Puis visiter mon site web vpilates.ca. Merci beaucoup Vanessa. Merci. <laughs> c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, je reçois le docteur Guétan Brouillard qui nous parle de la médecine sans médicaments. On se met les mains à la pâte et on apprend à faire des poudings de chia avec Philippe Trump. À bientôt!